épisode numéro 11, alternative, on continue à atteindre la zone de chargement. Alors, on poursuit, on va. Petite boîte qui nous entoure, on a encore été attaqué par un espèce de bras géant. À la fin de l'épisode précédent. On était déjà passé par là, on avait chopé un point. Les messages qui apparaissent là sur l'écran. Alors, prochain objectif. En guerre chargement, salle de contrôle de tram. De lancement, salle des commandes. Monsieur Clark, nous approchons du hangar. On s'y retrouve avec le monolithe. Arrêt imminent, pont de lancement. Oui, Amélie, à bientôt. Nous allons renvoyer la reine mère dans les ténèbres. Quelle bonne idée d'avoir donné notre seule navette à ce type. Merde, Isaac. Ces trucs que tu as butés, leur biomasse est retombée dans la zone de chargement. Et s'assemble pour former. C'est un truc énorme et le monolithe est encastré en plein milieu. Comment on va faire? J'ai les grues de chargement de l'Ishimura. Elles peuvent déplacer une demi-soute d'équipement minier. Si les choses qui sont là-bas veulent se battre pour le monolithe, ça me va. Contourne les sécurités et ça pourrait marcher. Mais dépêche-toi, les systèmes critiques vont nous lâcher. Et on peut... On a de nouveau la main. Chargement. On n'est pas seul dans cette zone. Alerte d'urgence. Protocole d'évacuation du pont en cours. C'est débloqué Peng encore et toujours. Il y en a qui souffrent. Il est là. Oh, ça fait ça, normalement c'est fini. Général, nécessaire. De la carte de sécurité. On met quoi? Amélioration d'armes. Y'a pique. Je
terminal audio. Ici Jacob Temple. Le docteur Mercer m'a fait prisonnier. Cet enfoiré m'a tiré depuis le pont de forage. Et d'accord, c'est un enfoiré. Pour que son monolithe commence à converger ou je ne sais quoi. Lise, si tu trouves celle-ci, ne touche pas le monolithe. Si tu vois Mercer, fuis. Je t'aime. Bon conseil. Hein. Après David, je n'aurais jamais imaginé que tu... Merde, reviens ici. C'est l'heure, monsieur Temple. Vous pouvez laisser voilà, votre méga PK ici. J'en ai besoin si vous voulez que je construise votre truc. Mais vous n'avez pas besoin de ces modifications, pas vrai? Elles pourraient blesser quelqu'un. Je m'en occupe. Voilà. Maintenant, le monolithe. Vous pouvez y aller, monsieur Temple. La sécurité avant tout. Safety first. J'aime pas trop quand il y a des ventilos comme ça. Oula. Ok. On va essayer de pas lui tirer sur le bidou. Comment il court ? C'était une bonne idée l'extincteur. Marchandises, ça pourrait bien être ça. On va profiter du pseudo calme pour continuer de faire le tour. Il y a l'autre que j'ai buté au loin de tout à l'heure. Je dois pouvoir récupérer quelque chose sur lui. Oh là, oh là, oh là, on se détend. Et la passerelle. D'accord, ça va être pour faire face. Ah, où faut. Je l'ai pas du tout entendu venir. Donne-moi ton bras. Alerte. La tension du câble dépasse les limites de sécurité. Ouais, j'ai bien compris, mais ce que je te dis là. Ah bah oui, dans le taux forcément. Hein, le jeu... C'est faire que ça de toute façon. Chargement de la cargaison 7-8. Ah bah quand même. C'était quoi ce bruit? Oh là là. Je vais le tirer dessus, hein, mais je sens que ça fiche complètement. Putain, mais ils sont combien? Oh, c'était joli ça. Ça m'a un peu éclaboussé, mais. Attention! La passerelle d'accès entrave le transfert. Ouais, bah ouais, mais je peux pas.
peux pas être partout. Je suis un peu en train de m'attaquer en même temps. Alors, nous en étions là. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Ça recommence. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Fais gaffe, quel est son cheminement là, là le truc. Ah oui d'accord, il est sur les convoyeurs. Ah c'est con, j'ai pris mon truc en métal là, c'était pas mal. Ah, alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse parce que je me tourne pour pouvoir prendre des œufs. Pourquoi il veut pas prendre le... Ah les pieds du truc là, ça ferait des très bons feux pour le tuer. Il veut pas le jeu. Ça c'est casse-pied. Ah mais très fort hein, le temps de se retourner le machin il décide de jeter sur moi. Le mec il veut vraiment pas utiliser ses mains hein. Ah ça ça va. Ça va. Ouais pourquoi. Voilà. Oh là là, tirer dessus. Obstruction sur le rail de chargement. On va retourner sur notre truc qui est encore bloqué alors. C'est quoi qui le bloque là? Alerte. Obstruction sur le rail de chargement. Ah, c'est une espèce de nœud donc. Stage, non. Ça, on va le. Alerte. Obstruction sur le rail de chargement. Je savais qu'il apprécierait. Il y en a un autre, non. Voilà. T'en veux encore Ah, les pieds de truc, c'est vraiment redoutable. Obstruction sur le rail de chargement. Elle a 12 ou pas? Bon, pas compte, il est vivant lui ou c'est le jeu? Non, je pense qu'il est. Alerte. Obstruction sur le rail de chargement. On y va, on y va. Ouais, non, les pieds de. Les pieds de tape sont redoutables. Hein. Ces trucs là, si on arrive à les... Il est où là? Ça recommence. Est-ce que j'ai pas un truc qui est tellement cher hein? Obstruction sur le rail de chargement. C'est des trucs ou pas? Ah non, il y a un deuxième. Hein. Il va y avoir une auto-obstruction, je pense. On va aller sur le... Mais j'aime pas trop être sur cette plateforme là parce que... On est super exposé. Attention, la passerelle d'accès entrave le transfert. Quand on a que deux choix pour se barrer, ça se termine souvent très mal. Hein. On est carrément bloqué, si ça vient par derrière. Ah. Une cargaison s'est placée vers le hangar. C'est le monolithe.
Bravo, monsieur Clark, je vous rejoins. Kyne, vous devez passer par le SAS 19. Je peux y aller depuis le centre informatique. Pour vous chercher? Ok, nous y serons. Tu vas réussir à aller jusqu'au SAS toute seule? Je vois rien sur les caméras. Je vais foncer tout droit. Souhaite-moi bonne chance. Oh. Alerte. Intégrité structurelle compromise. Un peu casser ma tirelire, acheter quelques points. Oh merde! Putain, c'est mon frère. Sur le moniteur, il est à côté du SAS. Ne te laisse pas avoir par cet endroit, Kendra! On n'a pas le temps! Il y est pas. Je vais réussir si je cours. L'accueil. Super. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Qu'il va y en avoir d'autres. Hein. Ce sont mes trucs de ventilation. Hein. Il y en a un, il y en a un autre. Il y en a deux autres. Ah, ça, ça peut m'aider. Bon. Ah non, Michel. Ah, lui non plus. Allez. Ça peut m'aider ça. Ça se trouve. Quarantaine levée. Ah là là.
Nous sommes encore en vie. Elle avance à une vitesse. Zach, les commandes de chargement automatique ne répondent pas. Sûrement à cause des dégâts subis par le vaisseau. Nous perdons du temps. La reine mère est en bas. Relax, Kyle. Je vais couper la gravité dans le hangar. Comme ça, je pourrai charger le monolithe manuellement. D'accord. Non, t'inquiète pas, Amelia. Ils comprennent. Sérieux. C'est bizarre de... Nous, c'est toi. Ah, c'est marrant le jeu de mots avec les lettres du vaisseau. Oh, ouais, marrant. On est ça avec nous, hein. Quelqu'un qui veut nous s'approcher d'un peu trop près. Entrée en zéro gravité. Qui attire mon regard là? Oh, là, là, là. Oui, mais pour ouvrir. Ah, il faut. Là, quand on s'envole, on peut ouvrir le placard, d'accord. Et un petit point. Pour preneur. Comment quand on s'approche du monolithe, notre vue est troublée. Positionné. Alors j'ai vu une batterie, je me suis dit tiens c'est bizarre, on n'a rien à en faire. Quand je vois que tout est rouge, je me dis que j'ai pas vu le truc où mettre dedans, on va suivre le câble. Là il y a plusieurs batteries. Ah, ça veut dire que ça merde. Voir. Il a pas apprécié le feu. Hein. Il y avait un petit mortpack aussi. Je pense que. Si c'est pas Toon qu'on voit là dans les airs. Viens voir papa. Alors est-ce qu'il y a...
Faire quelque chose déjà ou pas? Ah putain, je... saloperie. Non mais saloperie ultime alors. La récompense. Il est mort au moins même, ça se trouve non. Pas mort, quel. Il y en a un autre. Oh là. J'avais oublié que eux aimaient bien nous sauter dessus là. Encore un. Saloperie. Je dois régler un problème très très ancien. Je vous ai dit à Amon et toi qu'Egis-7 était interdite d'accès. La planète était une vaste expérience gouvernementale. Le monolithe, cet artefact divin, c'est une création humaine. C'est impossible. C'est un monde extraterrestre. C'est les mineurs qui ont découvert cette saloperie. Après qu'il a été implanté ici, il y a plusieurs centaines d'années. Même Kain n'a rien vu. Le premier monolithe a été découvert sur Terre dans un cratère. Celui-là était réel, extraterrestre. Assez pour inspirer l'unitologie. Notre espèce l'a étudié et a rétroconçu ce monolithe rouge.
Mais il fallait un endroit pour le tester. Et j'ai 7. Tu as vu le résultat? Un vrai cauchemar. Je pensais que les anciens rapports étaient du pur délire. Jusqu'à ce que je vois ce que j'ai vu. Ils ont isolé tout le système et enterré les données, plus aucune trace, jusqu'à ce que la CEC s'y intéresse. Ces imbéciles ont taillé J7 en pièces et réveillé ce que l'ancienne équipe de recherche avait laissé derrière elle. Donc le gouvernement de la Terre t'a envoyé pour tout dissimuler. Bordel, il faut qu'on rapporte le monolithe. Si quelqu'un d'autre tombe sur J7... Si on l'a fait disparaître une fois, on peut recommencer. J'ai vu ce dont le monolithe est capable. Il faut le sceller. Quoi qu'il en soit, on a formé une super équipe. Tu trouveras un autre moyen de quitter l'Ishimura. Ouais, en gros, des merdes. Parce que t'es un putain d'ingénieur. Bien, je me souvenais pas que c'était une gare, celle-là. Bon. Tout ça pour rien. Ah, Nicole. Isaac, tu me reçois, c'est Nicole. La vraie ? Je suis dans la salle de contrôle. Vite, il faut que tu me rejoignes maintenant. On peut encore s'échapper d'ici, mais le temps est compté. Point. Elle a l'air d'être elle. Te voilà. Ah, depuis le temps. Merci d'être ici. Le vaisseau se désintègre. J'ai vu ce que tu as traversé. Ton travail d'investigation, Mercer. Ce qui s'est passé entre nous. Inutile de ressasser tout ça. Je veux que tu saches que je suis désolé pour tout. C'est bon, Isaac. Tu sais que je te pardonne. Je t'aime. Merci, Nina. On a encore une chance. Tu peux rappeler la navette et la piloter à distance, d'ici. Rapporte le monolithe et on le ramènera sur Aegis 7. Pour que nous ne fassions plus qu'un. Je veux juste faire les choses bien. Alors faisons-le ensemble. Oui, Nicole, c'est fait. Ouais, non, elle a l'air d'être. Rappel de la navette USG09. Préparation des procédures d'amarrage à distance. Bordel, Isaac, tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais que je fais enfin le bon choix. Alerte, capsule de sauvetage lancée depuis la navette USG09. La capsule? Merde! On l'a perdue. Ça ne fait rien. Elle ne peut pas fuir son destin. Qui peut le faire? Petit bac. La voilà. Isaac. Je sais.
rejoint dès que j'ai reprogrammé la trajectoire de la navette vers EG7. Bah, et pourquoi tu reprogrammes pas là tout de suite? On reste ensemble et puis on y va ensemble. Tu sais pourquoi moi je le sens pas là. Olé. Ah, on a déjà chopé tous les audios, donc on est à la fin maintenant. Oups. La porte qui se referme sur eux. Oula. Des objets sympas à leur balancer ici avec des valises, des trucs mous. Il y a l'air d'y avoir d'autres saletés en vue. Alors vous êtes sur le point de quitter les Chinois, vous ne pouvez plus revenir. On n'a pas l'intention de revenir. J'ai jamais douté de toi, Isaac. Je savais que tu viendrais. Prête, Nicole ? Oui. Maintenant qu'on est réunis, plus rien ne peut nous arrêter. M'inquiète quand tu dis ça. C'est pas comme ça que je me voyais dire adieu à l'Ishimura. Le monolithe était une expérience que le gouvernement terrestre a abandonnée il y a des siècles. Quand on n'est pas prêt, un miracle doit être aussi terrifiant qu'un cauchemar. Cette planète est sans répit. Elle a faim. Elle veut nous manger tout cru. Mais on a le monolithe. On peut remettre les choses comme elles étaient. Nous serons à nouveau unis. On se fait manipuler, hein. Piloter la navette. Fin de l'épisode 11 alternative, c'est le début de l'épisode de disparition dans l'infini.
Notre objectif, ce sera décharger Monolith suite au prochain épisode.